viu el soler. Vengue, oh vengue, lo tens d'estret, som mestre seu. Despliega grans ses ales, munta, munta din l'aire, la maina o que les nivols. À 80 km de Toulouse et 30 km d'Agen, au cœur de la vallée de la Garonne, Golfech. C'est ici qu'EDF envisage de construire une centrale nucléaire EWR de 5200 MW. Le 22 octobre 1979, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sur la centrale électronucléaire de Golfech s'est ouverte dans 12 communes du Tarn-et-Garonne et 4 du Lot-et-Garonne. Pour les populations concernées, ce simulacre de démocratie a été ressenti comme une insulte et vécu, pendant 2 mois, comme une véritable occupation militaire. À Golfech, à une heure 30, de son groupe à Golfech. Sur les 12 communes du Tarn-et-Garonne, 9 ont refusé de cautionner l'enquête bidon en ne l'accueillant pas en mairie. Par contre, à la Magistère, le maire a accepté. Le samedi 19, un rassemblement est organisé pour faire le point de la situation et empêcher que le dossier ne rentre en mairie. Il est évident qu'il y aura des gens comme ici à la Magistère. Bien sûr, le rassemblement, disons, régional, qui concerne donc la région Pyrénées, la région Aquitaine, le rassemblement régional est prévu, lui, à Golfech. À Golfech, rassemblement régional, donc, à 1h30 le midi. Le maire de la Magistère, interrogé sur ce sujet, répond évasivement, évitant de prendre parti et de donner une quelconque information. Alors la mairie sera fermée lundi, monsieur le maire. Enfin, lundi matin, la mairie sera fermée, après-midi, la mairie sera fermée, et donc le dossier arrivera lundi après-midi. Lundi matin, elle est ouverte. Alors donc, le dossier ne peut arriver que lundi après-midi. En fait, le dossier sera amené subrepticement, dans la nuit du dimanche au lundi. Voilà une manifestation de plus de l'aspect franc et démocratique de la campagne d'information EDF. Le lundi 22 octobre, c'est le jour J. À Valence d'Agen comme ailleurs, la population et les élus attendent le dossier pour lui interdire l'accès de la mairie. En fait, les fameuses mairies annexes sont en place dans nos communes. Une mairie annexe, c'est un fourgon de location, recouvert d'adhésifs pour en masquer les publicités commerciales. Ce fourgon se retrouve promu au rang de bâtiment administratif, de maison commune, par la seule volonté d'un décret préfectoral. Cette même volonté l'entoure d'une force armée importante et équipée. C'est ce qu'il convient d'appeler la démocratie musclée. À Golfech, c'est le même scénario qui se déroule à un détail et une séquence près. Les forces de gendarmerie sont encore plus nombreuses et mieux armées. En face, les manifestants sont pacifiques et leur tenue estivale cacherait difficilement des armes. Pourtant, un sous-préfet n'hésitera pas à les qualifier de terroristes. Le dossier, gardé dans la fourgonnette mairie annexe, vole soudain au dehors. Le vent disperse les papiers, le feu s'y met, peut-être spontanément. Est-ce que vous avez vraiment la sensation d'être envahi par un grand soulagement en voyant voler les papiers? Nous, oui. Alors, on appelle le rassemblement, on va se diriger maintenant vers chez EDF et on va voir s'il fait beau de ce côté-là. Là-bas, il fait trop chaud maintenant.
arrivé ici Bravo 12, alors il prévoit aller vers le site EDF. La situation est intolérable. La présence des fourgonnettes et des gardes mobiles est une insulte aux élus et à la population. Le maire de Goudourville vient d'abord au rassemblement de Golfech et prend la parole. Des gens, une mairie, un fourgon avec des armes autour, des soldats. Et alors de suite, j'ai téléphoné à la préfecture qui m'a refusé en disant que le préfet n'était pas là. Non, ce n'est pas terminé. J'ai téléphoné ensuite à la sous-préfecture, j'ai eu un contact avec le chef de bureau et je lui ai exprimé tout le mécontentement au nom de la population de Goudourville, voyant des gens. C'est plus la République, c'est une dictature. Et quand vous voyez des gens comme ça, regardez, messieurs, messieurs. Et alors, je trouve cela vraiment aberrant. Cette Goudourville, pour moi, c'est le village qui me tient absolument à cœur. Et je le défendrai par tous les moyens, et surtout au point de vue antinucléaire. Et ça, vous pouvez compter sur moi, je le ferai de toute mon force jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Et qu'est-ce que vous pensez de la manifestation de cet après-midi ici à Golfech? Sensationnel. Je ne peux dire que je suis une chose, je regrette qu'il n'y ait pas eu assez de gens de Golfech, parce que je suis natif moi-même de Golfech. J'y suis né, j'ai vécu pendant 40 ans, et je regrette que la population de Golfech ne prenne pas davantage à cœur cette histoire. Je crois qu'on le prend, et même, je vais dire autre chose, que c'est ce qui, pour l'essence, pour le nucléaire, un jour, nous reprocherons de ne pas avoir fait contre le nucléaire. De retour à Valence d'Agen, les manifestants sont appelés à faire la tournée des mairies et des mairies annexes. D'Agen, amis qui est venu nous encourager pour la minute, nous vous invitons à poursuivre notre petit périple dans les autres mairies. Nous allons... Après être passés par Auvillard, les manifestants se retrouvent à Goudourville. Là aussi, le dossier connaîtra le sort utile et enviable d'être transformé en feu de joie. C'est pas ma faute de me tirer. Mais dis-le-moi. Faut-il voir un présage dans ce rapprochement saisissant? Le 22 octobre toujours, les manifestants continuent leur tournée des mairies. À la Magistère, les forces de police sont impressionnantes. Capitaine de la Magistère, avec comme critère la démocratie, aujourd'hui, monsieur le maire de la Magistère, messieurs du conseil municipal, nous prenons ici sur pièce de la démocratie pour consulter les dossiers. Quelle est cette démocratie qui aujourd'hui fait que les dossiers sont acceptés par certaines mairies? Souvent de garde des forces de l'ordre. Nous ne sommes pas venus ici, non, pour nous harceler aux forces de l'ordre. Nous sommes venus ici pour le respect des... Malgré la présence massive des gardes mobiles, le dossier, comme à Golfech, comme à Goudourville, volera au vent d'automne où il s'enflammera. Ami, 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 ne bougez pas. Ami, 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 une seconde.
Pour répondre à la propagande d'EDF, le comité antinucléaire organise des permanences, où, comme à Valence d'Agen, une caravane est prêtée par un militant. Elle sert de lieu de rencontre et de centre d'information. Voilà comment les dossiers sont consultés librement, sans contrainte et sans ridicule. Les samedis voient une recrudescence de l'animation dans nos villages. Des sit-ins sont organisés qui se soldent par des charges de garde mobile dont la sauvagerie surprend les villageois paisibles. Coups de matraque, de bottes, tirs tendus de grenades lacrymogènes, de grenades au chlore et même de grenades offensives. La caravane suit la fourgonnette place forte dans ses pérégrinations. Elle est aussi un point de ralliement pour les délégations qui viennent soutenir notre lutte. À Auvillard, un fourgon a été installé pour servir de bureau d'information. À Goudourville, La Magistère et Golfech, des militants viennent tenir des permanences. En janvier 1978, le président de la République promettait « Il ne saurait être question d'imposer aux Français un programme nucléaire auquel ils seraient profondément opposés après avoir été complètement informés. » Notre opposition est claire, sans ambiguïté et unanime. 82,3% de non au référendum de juin 1975. Refus du Conseil régional Midi-Pyrénées et du Conseil général du Tarn-et-Garonne à la quasi-unanimité. En dépit de la promesse du président, les seules réponses qu'on ait apporté à notre refus sont la répression massive et brutale et un mépris souverain. De tout à coup, notre gendarme fisquette à l'homme et escaudat, y perdait à l'homme des plumes, scabandonnet l'activitat. Les 24 et 25 novembre, les deux journées pour Golfech, voient un grand rassemblement qui amène la population des communes concernées à se regrouper et à accueillir tous ceux qui leur apportent le témoignage de leur solidarité, comme ici les Beaux-Arts de Toulouse. Accusé, nous ne restons pas pour le monsieur le sous-préfet qu'il retire immédiatement les dossiers d'enquête du gang, il faut le rappeler. Après une tournée dans tous les villages, le samedi matin, un sit-in symbolique s'est organisé avant le départ du fourgon place fort. Pour qu'on nous mette des mairies annexes avec des forces de l'ordre pour les protéger. Pour la démocratie. Vous avez devant les yeux la démocratie française. Refusons cette pantomime de démocratie.
ensemble dans les actions pacifiques, montrons notre détermination. Nous allons montrer clairement notre détermination. On vous demande donc la coordination antinucléaire régionale de Golfech. Passe-toi, se rapproche de la mairie annexe et passe-toi. Malgré la présence de nombreux manifestants, la coordination a obtenu qu'aucun incident ne puisse lui être imputé. Zone nucléaire. Demain, 14h, venance d'Agen. Le samedi après-midi, un cortège de voitures se rend à Castelsarrasin pour exiger du sous-préfet qu'il retire à la fois les forces de l'ordre et les fourgons baptisés mairie annexe. Le calme et la dignité dans lesquels se déroulent les manifestations sont le démenti magistral apporté au préfet du Lot-et-Garonne. Celui-ci, deux jours auparavant, nous avait accusés d'être des énergumènes excités, partisans des énergies douces et de la manière forte. La délégation a été reçue à la sous-préfecture. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Qui étaient répartis partout, ce sont des parachutistes. Ils étaient donc répartis partout, enfin vraiment en armes, prêts à recevoir comme il faut 6 personnes qui essaient de dialoguer. Bon, on nous a aussi demandé nos noms, parce que évidemment on ne reçoit pas des gens sans qu'ils donnent leur nom. Qu'ils soient représentants de la coordination et de comité, ça ne suffit pas. Bon, nous avons donc pu voir le sous-préfet, à qui nous avons expliqué que la situation, depuis l'enquête, le refus de tous les élus, le refus de la population, faisait qu'on demandait l'arrêt immédiat de l'enquête d'utilité publique et donc l'abandon du projet. Bon, évidemment, il nous a répondu que ça ne dépendait pas de lui, qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait pas retirer les forces de l'ordre parce qu'on avait des groupes
violents, etc., avaient la volonté de détruire les dossiers et d'attaquer le personnel qui s'en occupait. Nous avons au moins demandé de pouvoir choisir la tapisserie de la centrale. Au moins, puisqu'on va vivre avec, qu'on vive à quelque chose de joli, qui nous plaise. Bon, là, il nous a été répondu que, bon, ça, c'était pas tellement possible, que finalement, il transmettrait, mais enfin, qu'il y avait peut-être des choses plus sérieuses à discuter. On a proposé plusieurs papiers. Il y a le premier là, c'est doré, c'est de l'or. Alors là, il a trouvé que c'était un peu cher. Le deuxième papier, c'est des petites voitures. Alors là, ça lui a déjà plus intéressé parce que l'automobile, c'est important. Et alors là, ça, il ne faut pas toucher au job, au lobby automobile. Le troisième, les petits-enfants, ça, il a trouvé que c'était bien parce que le nucléaire, c'est l'avenir. Et les petits-enfants, c'est important. Un métro, hein, qu'il y en aura quatre, donc on aura... Dans ce beau paysage, 4 tours de 180 mètres de haut. Elles feront plus de 120 mètres à la base, donc on aura vraiment des beaux monuments. C'est dommage de gâcher un paysage sans construire des arbres pour qu'un paysan qui prête sur son tracteur n'ait pas une vue trop défigurée des paysages. Donc il faut savoir que le long de la nationale, nous allons avoir toute une série d'arbres pour éviter aux pauvres paysans de gâcher son paysage par une centrale nucléaire. Mais nous, on préférerait qu'il y ait une petite tapisserie, ça égayerait le paysage. Il a refusé. Un balayeur d'un central et un autre emploi de manutentionnaire, c'est quand même très important. Sans compter tous les touristes qui vont venir, les millions de touristes qu'on va voir arriver dans la région, parce que nulle part ailleurs on pourra trouver des centrales nucléaires. Elles sont interdites. Une troupe de comédiens vient donner un spectacle improvisé. Une augmentation du chiffre d'affaires chez Moulinex de l'ordre de 52,4% et chez Frigavia, oui, de 47% et des poussières. Vous voyez toutes ces choses-là qui font le bonheur des gens. Rentrez chez vous ! Plus de 1000 personnes traversent ensuite Castelsarrasin dans le calme. Dimanche matin 25 novembre, rencontres et projections se succèdent à Valence d'Agen. L'après-midi, c'est le meeting. C'est une élévation de 8 à 12% selon les sources et les taux de cancer. Et nous ne sommes pas de ceux qui pensons que c'est le voisin qui les aura. Nous ne voulons pas que personne ait des cancers d'origine nucléaire. Après que les élus des communes concernées par l'enquête aient reçu... Et c'était l'objet de multiples pressions, qu'il s'agisse de visites de l'Eton Est pour aller voir des centrales en fonctionnement, encadrées par la police, surveillées par des flics, qu'il s'agisse des pressions de tous ordres, des dignitaires de l'État et de l'EDF. Je dirai à ce propos que l'EDF ne fait qu'exécuter les ordres de l'État.
capitalistes, multinationales, méprisant les citoyens, leur donne d'exécuter un pouvoir antidémocratique. Nous disons non à l'esprit qui consiste à violer les lois. Nous disons non aux multiples pressions dont nous avons été l'objet. Nous disons non à une économie centralisée, autoritaire et nécessairement antidémocratique. Nous disons non à un capitalisme multinational et destructeur. Et si vous n'en êtes pas convaincu, si certains en doutent, venez dans nos villages entre 14 et 19 heures et vous verrez dans nos villages de Téléga et de Retraité la présence des gardes d'automobile qui sont là, qui rappellent, comme elle l'a dit, à leur rapport de moi, ce qui se présente à ceux qui ont connu. Ensuite, la marche sur Golfech rassemble plus de 6000 personnes qui se pressent derrière trois petits-enfants, symbole de notre combat pour la vie, et les maires de nos communes, témoignage de l'unanimité antinucléaire. Sur la place, le maire de Golfech inaugure un monument à la résistance antinucléaire, tandis que les manifestants brûlent symboliquement le fac-similé de la première page du dossier d'enquête d'utilité publique. Mes collègues, les maires, ont mis les écharpes et ils ont marché à l'avant du cortège. Merci encore d'être venu. Et je crois que le moment est là que dévoiler ce souvenir qui restera. Le soir, l'émission de Radio Golfech a vu le siège du village d'Auvillard pendant 3 heures par 16 quarts de garde mobile. Leur bilan est éloquent. Une porte de garage fracturée pour se trouver nez à nez avec un haut-parleur.
C'est le 28 novembre que la coordination imagine et met en œuvre l'action la plus extraordinaire de cette enquête. Elle va permettre de relancer le mouvement et sans doute de populariser notre lutte, de lui donner une dimension nationale qui semble lui manquer encore. C'est Brice Lalonde qui va lui trouver un nom, la fissure. Non, je te laisse ouvert pour juste pour venir. Non, ça c'est la... Nous sommes le 28. Je marque le 28. Eh bien écoutez, si vous me le permettez, je vais commencer par fissurer le rapport. Comme vous le voyez, j'ai fissuré le rapport. Cette fissure ou ces fissurations que nous avons fait dans le dossier vont peut-être lézarder tout l'édifice, n'est-ce pas, par lequel l'État, un certain nombre de gens venus de très loin, Paris, la police, veulent imposer à des populations qui n'en veulent pas des usines et un mode de développement qui sont contraires à l'intérêt même de ce pays. Moi-même, en tant que Parisien, d'ailleurs, je dois dire que je suis humilié. Je suis humilié par le fait que les décisions se prennent à Paris et que, par exemple, le président de la République vienne de Paris dire quel est le plan de développement du Grand Sud-Ouest qui serait utile à ce pays. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce plan de développement-là qui est utile. Au contraire, je dois vous dire que les véritables entrepreneurs de ce pays, les véritables personnes qui prennent soin de l'avenir, ce sont toutes les personnes qui décident ou qui veulent que le développement du Grand Sud-Ouest se fasse sans le nucléaire, mais avec la géothermie, avec le solaire. Je crois que c'est eux qui veulent vraiment, qui prennent à cœur l'intérêt de ce pays. Même, j'ai pu très simplement fissurer une page de ce dossier. J'espère que les 11 autres personnes pourront le faire de la même manière. Et ce mouvement que les journalistes, sera suivi. J'espère que ce mouvement sera suivi aussi. Et puis j'espère que les journalistes ici présents ne nous en voudront pas. Nous avons convoqué sur la question des fissures, n'est-ce pas? Il y avait fissures et fissures. Et c'était surtout pour montrer à quel point la démocratie dans ce pays est violée. En 1975, un référendum s'est prononcé à une majorité écrasante contre la centrale de Chernobyl. En 1978, c'était le Conseil régional. En 1979, c'est le Conseil général. Par conséquent, c'est vraiment que nous sommes sûrs de notre bon droit, de notre plein droit. Il faut refuser, en effet, de tels procédés qui déshonorent notre pays. Tandis qu'à Golfet, Brice Lalonde opère, à Valence d'Agen, c'est Solange Fernex, tête de liste d'Europe Écologie, qui se livre au même acte, montrant ainsi par son geste que partout en France, la lutte antinucléaire est solidaire, que c'est ensemble, sur tous les sites, que nous ferons reculer le pouvoir, que nous imposerons une véritable démocratie. Le soir, un repas animé, réunis dans une même convivialité, les fissureurs et leurs accompagnateurs. À dater de ce jour, dans les mairies et mairies annexes, les préfectures et sous-préfectures, ça fissure à tour de bras. Le 29, c'est Isabelle Cabu et Jean-Louis Soulier, journalistes, qui viennent fissurer. Huguette Bouchardeau, secrétaire national du PSU, vient également apporter son soutien le 30 novembre en fissurant son dossier. Ah, va vous faire assurer.
Valence d'Agen. À Valence d'Agen, oui, je suis là. Qu'est-ce que je resterais bien là, tiens. Le 1er décembre, c'est Roger Garaudy, écrivain et philosophe, accompagné du père dominicain Jean Cardonnel, qui se livre au même geste. Dans sa déclaration, Jean Cardonnel précisera bien que c'est au nom de sa foi, de son combat pour la vie, qu'il lutte contre le nucléaire, civil ou militaire, en n'hésitant pas à commettre un geste de désobéissance civique. Celui qui manie l'atome périra par l'atome. Quant à Roger Garaudy, il déclare: il convient d'intensifier l'action, car toute centrale nucléaire, même sans incident, met en danger l'avenir génétique de nos enfants. Il doit être clair pour tous les Français que choisir le nucléaire, c'est préparer le goulag. Choisir un programme nucléaire d'une telle ampleur, c'est assassiner nos petits-enfants. Roger Garaudy conclut son intervention en appelant tous les citoyens, conscients et responsables, à prendre part dans cette lutte pour l'avenir de tous. C'est véritablement les dentistes de Valence d'Agen, accompagnés d'un gradé de pompiers, décorés de la veille, d'artisans et de commerçants, qui vont finir de populariser le mouvement lancé par des personnalités d'envergure nationale. Et là-haut. Oui, j'aime pas trop comme... Vous avez été brutalisé, madame? Oui, monsieur, j'ai été brutalisé. Par qui? Par deux personnes. C'est des gardes mobiles? Oui, oui. Bien, madame, merci. Salut. Bravo. Le 4 décembre, le conseil municipal d'Auvillard, maire en tête, inaugure la fissure des élus. Où est étudié? Oh, pardon. Allez, tu veux un peu? Oui, si tu penses que c'est ma. Je suis à toi, bien sûr. Vous avez rejoint monsieur le maire, puis c'est bon. Hein? Ah, ça va. L'adjoint et le maire, c'est très bien. Le conseiller, j'ai pas besoin de méchant. Il convient de noter que si nombre d'entre nous furent l'objet de mesures vexatoires, allant de la garde à vue de 3 ou 4 heures à des coups en passant par les menottes, monsieur le maire se vit proposer une procédure particulière, feutrée et accélérée, ce qu'il refusa évidemment.
Le samedi 8 décembre, c'est le corps médical dans son ensemble. Médecins, infirmières, kinésithérapeutes, qui manifestent sa responsabilité. Cette action massive du corps médical est lourde de signification. C'est bien la première fois qu'il se mobilise avec la population. Il a voulu marquer son refus des apprentis sorciers qui veulent nous imposer des installations dangereuses pour la santé avec des conséquences génétiques très importantes pour les générations futures. Le mercredi 12 décembre, journée enseignante. Au total, ce jour-là, 43 enseignants de tous niveaux représentant les établissements de la région viennent fissurer. Quant aux enseignants du Lot-et-Garonne, ils ont choisi de se manifester symboliquement à Golfech. À cette occasion, les gardes mobiles inaugurent la seule parade qu'ils ont pu imaginer. Ils gardent dans la mairie annexe le fissureur pendant 20 minutes ou 3 quarts d'heure afin de réduire le nombre de fissures. Il faut bien se rappeler que c'est toutes les couches sociales, toute la population qui est venue fissurer. Médecins, enseignants, commerçants, artisans, agriculteurs, élus. Les notables et le peuple, tout le monde est venu. L'arrivée des pharmaciens a donné à penser qu'ils venaient eux aussi fissurer. En fait, ces marchands de la médecine déposent une enveloppe cachetée qui critique l'attitude des médecins quelques jours auparavant en la taxant d'irresponsabilité. C'est la seule note discordante dans le concert antinucléaire occitan. On peut juger de l'état d'altération du registre d'enquête, document officiel qui doit présenter un aspect absolument net pour n'être pas entaché de nullité. Malgré le blocage des fissureurs, plus de 450 personnes contrôlées ont pu se livrer à ce geste symbolique, ridiculisant les nombreuses forces chargées de le garder. La commission d'enquête, l'administration et par là même le gouvernement. L'apparente décontraction des fissureurs ne doit pas leurrer sur la responsabilité et la gravité de leurs gestes.
au titre de l'article 439 du Code pénal, alinéa 3, il risque de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Lundi 17 décembre, journée des maires et des élus. La présidente du Conseil général du Tarn-et-Garonne, membre du Conseil économique et social de Midi-Pyrénées, vient aussi fissurer le dossier déposé dans sa commune. Oui, avoir le maximum afin de pouvoir, comme je vous l'ai déjà dit, faire enfin entendre notre voix qu'on n'entend pas depuis des années. Toutes ces fissures sont la réponse au mépris du pouvoir. Si le président de la République, le 15 novembre à Mazamet, proclame que la centrale sera construite, relayé deux jours plus tard à la télévision par le Premier ministre, méprisant l'enquête en cours, pourquoi n'aurions-nous pas, nous aussi, le même mépris à l'égard d'une procédure qu'eux-mêmes ne respectent pas? Oui. Ici, c'est le maire de Valence d'Agen, député du Tarn-et-Garonne, qui vient, avec son adjoint et avec le conseil municipal, fissurer le dossier qu'il a refusé de recevoir en mairie. Le 18 décembre, la commission d'enquête, présidée par M. Daudignon, vient donner une audience publique à Golfech. Elle sera accueillie par une manifestation d'agriculteurs et un déploiement important de forces de police. Devant une telle invasion, le maire de Goudourville sera pris d'un malaise. Il faut prendre un médecin quand même ici pour et le mettre dans un endroit où... Ma femme me dit, repose-toi, je ne peux pas. J'ai toujours cette vision devant moi. Je ne dors plus. J'ai toujours cette vision devant moi. Giscard.
cette réplique que l'on nous a imposée à nous, aux municipalités, aux instances départementales et régionales. Le panneau qui se trouve sur ma poitrine est une citation. La démocratie est bâillonnée. Comme l'a déclaré le 15 décembre le chef de cabinet du préfet du Tarn-et-Garonne, les assemblées délibèrent, le gouvernement décide. Alors à quoi bon cette comédie d'audience publique, cette gabegie pseudo-démocratique? Tout l'après-midi, les antinucléaires défileront devant la commission d'enquête, muets et bâillonnés, rappelant sur leur pancarte la promesse du président Giscard d'Estaing, les dangers pour leur vie et leur détermination à faire respecter démocratiquement leur refus. Je vous demande pas votre nom, vous ne pouvez pas me le donner. Je vais avoir mal. Ok, ça va être bon. Et il tournait la porte là, regarde, ça s'est parti vite. Bon, c'est pas, j'allais chercher des gaves à l'ambassadeur. Il est folie le truc. Faut pas répondre. Sentant le ridicule de leur prestation, les gardes mobiles essaieront de saisir la caméra. Un médecin qui s'interposait sera jeté à terre et roué de coups. Monsieur Dodignon a proclamé qu'à titre personnel, il était contre le nucléaire. En tant que maire de Beaumont-de-Lomagne, il n'a pas d'avis. En tant que président de la commission d'enquête, il rend un avis favorable à la centrale nucléaire de Golfech, refusant de tenir compte du référendum, des assemblées, des 35 000 signatures sur la pétition, des 450 fissureurs jugés comme anonymes, malgré que leur nom ait été copié et recopié en 12 exemplaires par la gendarmerie. La violence, elle est du côté de ceux qui sont venus de nuit comme des voleurs mettre à bas la stèle. La violence, les antinucléaires ne l'ont pas voulu. Elle leur a été imposée par le pouvoir. Et ils ne l'ont même pas pratiquée. Jamais. Ils n'ont attaqué les forces de l'ordre qui semaient la perturbation dans leur commune. Mais pourront-ils? Devront-ils contenir l'exaspération des populations devant la stupidité de ceux qui n'ont pas hésité à risquer des vies humaines en détruisant leur caravane, bureau d'information officialisé par un décret municipal? Une explosion l'a détruite et aurait détruit l'école devant laquelle elle stationnait dans la nuit du 19 au 20 décembre, sans l'intervention rapide des pompiers. Devant la mobilisation générale de la population, EDF a dû renoncer à commencer les travaux en janvier 1980. Elle espère que les gens oublieront d'ici octobre et qu'elle pourra alors commencer son œuvre de mort. Mais les populations disent bien qu'elles sont décidées à faire respecter définitivement leur refus.